Bien, vous allez voir maintenant comment brancher une page Google Business, donc c'est généralement les pages qui se trouvent à droite ici dans Google avec le nom de votre entreprise, vers votre site internet. Si vous avez un blog, chaque article de votre blog doit être lié à un post de Google Business. Pour faire ça, j'ai mis Google Business, le moteur de recherche, ou je peux aller chercher Google Business en ouvrant dans les applications ici. J'y vais. Je me connecte parce que j'ai déjà créé mon compte. Si jamais vous vous demandez comment créer un Google Business, j'ai fait une formation spéciale Google Business dans le site que je vous ai fourni. Une fois que ça, c'est fait, je vais cliquer à gauche sur le bouton Post. Ici. Donc là, il y a tous les anciens que j'ai fait. Je clique sur le bouton à droite pour créer un nouveau poste. Il va me demander une image. L'image que je vais mettre là, c'est évidemment la même que celle que j'ai mis là. Elle est là et elle s'appelle « Comment créer un article idéal dans Joomla pour le référencement ». Pas d'accent, un tiret. Hop, je fais ça, je fais ouvrir et elle monte. J'ai mon image. Ensuite, il me demande de mettre un post, ici un titre. Il faut absolument, si vous voulez que ça marche, récupérer le même titre que l'article. Et pour cela, je fais un copier, puis je colle. Voilà. Ensuite, pour le lier, il me faut un lien URL, un bouton. Ici, ajouter un bouton, je vais mettre en savoir plus. Je vais rajouter le lien du bouton, c'est l'URL qui se trouve là-haut. Copier. Normalement, si vous avez bien fait votre travail, comment créer un article dans Joomla? Comment créer un article idéal dans Joomla? Je fais ça. Coller. Publier. Voilà. Pour vérifier si ça marche, je peux afficher dans la recherche ici, j'ai un lien. Normalement, il faut un petit moment, ça se fait pas à la seconde, mais on va voir s'il a marché. Le voilà. Donc ça, c'est mon Google Business. Et ici, il y a mes derniers posts. Ok. Si les gens qui visitent mon site cliquent là, ils ont ça. Et ils arrivent directement sur mon site.